Je suis venu participer parce que je veux trouver l'amour. Tu sais, je peux le tuer si tu veux. Non, non, sérieusement. Tout ce que tu veux. Je parle anglais, c'est anglophone. Et je fais des créations de contenu sur pas anglophone, mais je parle anglais. Non, je suis hétéro. Quel est le plus lent fleuve du continent africain? Le plus lent fleuve? L'Amazonie. Quel est le plus grand dealer de drogue de tous les temps? Tupac Shakur. Everybody, guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. 14 gars pour une seule go. Pour la vidéo, je suis avec Lynn, la Miss, hein, c'est la bachelor. Et on est avec Girl Goma, vous connaissez. Genre là, j'ai dead. Ok. Let's go. Allez, voilà. Vas-y. Nicolas Manda, accouche-toi. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Tu vas bien? Oui, super bien, et toi? Ça va. Julien, et toi? Ok. T'as quel âge? J'ai 19 ans, nouveau. Que 19 ans? Oui, 19 ans. Un vrai bébé? Oui, un vrai bébé. Je suis venu participer parce que je veux trouver l'amour. Ah. Avec beaucoup de smile comme ça. Ok. Tu n'as pas peur de briser le cœur? Non, non. Non, non. Dans la relation, c'est souvent moi qu'on brise le cœur, donc. Je suis préparé. C'est quoi ton super pouvoir? Je sais parler aux femmes. Comment? Je sais parler aux femmes. Parle-moi. Déjà, t'es très belle. Merci. Quand je suis rentrée, j'ai remarqué ton sourire. Okay. T'as des lèvres magnifiques. Oh. Et t'es attirante. Ok. C'est tout pour le moment. Merci. Si j'étais à sa place, je jure que dès l'instant, je t'aurais vu déjà. Mais bon, ça arrête de dessiner tout ça. Ok, juste en fait, tu m'as bien parlé, genre. Et que t'es. Il est quoi? Mais je pense qu'il est intimidé parce qu'il est devant une femme. T'es intimidé? Ouais, un peu. Ouais, on va enlever ça. Mais je te garde. On te trouve chaud. Merci. Ok, donc c'est là. Merci beaucoup. On la va tuer. Ok. Salut. Je peux reculer un peu s'il te plaît? Ouais, ok. Ok. Là, faut face quand même. Salut. Salut, ça va? La voix. Ouais, je vais bien et toi? Je vais bien. T'as fait comment? Mardoché. Quel âge? 20 ans. Non, tu mens. Tu peux mettre un peu la voix? Non, je mens pas. Si, tu mens. Non, je mens pas. Je réfléchis pas quand tu demandes ton âge. En fait. Non, mais c'est juste que je réfléchis si ça devait paraître un peu trop petit et tout, trop petit pour toi et tout. De ton âge? Non, en vrai, j'ai pas honte de mon âge. C'est juste que, tu vois, elle est vraiment mignonne et tout. Je voulais la pécho et tout. Non, je veux la pécho. En vrai, je veux la pécho. Donc. Je voulais vraiment faire des choses bien, quoi. Ok. Comment que les choses bien que tu peux faire? Les choses bien que je peux faire. Ouais. Bah ça, on va garder pour la suite si jamais elle me choisit. Sauf que c'est là, c'est pour la convaincre, c'est pour montrer ce que tu peux faire. C'est pas sûr que tu vas aller après. Y'a rien qui garantit que tu vas aller après. Ouais. Dans le premier démo, t'as des tresses, et moi les garçons ont des tresses. Oh, dommage. Donc, en vrai, mon bébé, c'est mort. Malheureusement, je passe là. Ouais, j'avance pas. Bon, on l'applaudit quand même, hein. Hello, ça va? Ouais, ça va, et toi? Comment je t'appelle? Moi, c'est Tony. Tony avec 3Y. Tony avec 3Y. Ouais, pour faire un peu genre, quoi. Les Y, d'après, là. Les Y, c'est parce qu'il y a beaucoup de Tony. Il y a Tony, TH, il y a Tony avec I. Et moi, Tony 3Y. Ouais, je suis artiste. Non, mais sinon. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle les gens. Mais j'aime pas trop. Ça fait un peu bizarre et tout. Je préfère Tony tout court. Et sinon, toi, c'est. Moi, c'est Lynn. Lynn ? Lynn. Wow, super. T'aimes ? Ouais, j'adore. En tout cas, t'es beaucoup plus belle que ce que j'avais imaginé. Ah bon, merci. Je peux te serrer là. Oui. On sort pas mal.
Non. Ah, ce que j'allais dire. Il fait même preuve de galère. J'aime bien l'odeur du parfum et tout. C'est beau. Okay. C'est prêt à sortir avec la beauté et tout. Okay. Ça te va magnifiquement bien. Voilà, Tony, je me déstabilise. T'es trop près, Tony, tu peux aller un peu voir. Ok, merci. Ok. Non, c'est juste que, tu vois, j'ai été attiré par son charme et tout. Ok. Donc, Robin des Bois. Ouais. Excuse-nous. Non, mais sinon, du coup, je suis un peu déçu. Ouais, parce que je ne pensais pas trouver la princesse de mes rêves aussitôt. C'est... Tu vas être content ou bien tu vas être déçu? Ouais, c'est, je sais pas trop quel sentiment je dois avoir, mais sinon... Tu vas pas trouver ça? Ouais. Je suis prêt à... Mais donc, elle est devant toi. Ouais, mais donc, elle est... Mais toi, tu es capable. Capable? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? La bonne question, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Waouh. Je ferai tout. Waouh. Tu sais, je peux le tuer si tu veux. Non, sérieusement. Tout ce que tu veux. Vas-y, dis-moi. Tu veux faire des pompes, là? Des pompes? Ouais. Non. C'est à elle de dire. Mais sauf que... elle et moi, on est quand même assez connectés. Ouais. Ah bon? J'espère que... Si... Bon, d'accord. Des pompes? Non, tu pompes. Veux que je fasse combien de pompes? 10. On va faire 2. 5. Bon, deux, c'est facile. Mais je suis très costaud, hein. Faut pas voir le gabarit, je suis... Tony. Ok, avec une main? Je peux le faire avec un doigt, si tu veux. Vas-y. Ok, tu me tiens ça une minute? Vas-y. Ok. Je pose... Ok. T'es pas censé faire avec une main? Non. Donc, mais là, sauf que t'as dit tu pouvais faire avec une main. Que je fasse avec une main? Oui, t'as dit. Bah, dans ce cas, je vais faire un seul. C'est bon? Ok, vas-y. Rigolez pas, non, t'inquiète. Ok. Tu me tiens ça aussi. Mais t'as même pas vu. Ok. Jésus. Ok. Voilà. Ouais, Jésus. Maintenant, dis-moi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je suis toujours d'accord pour tuer, hein. Toujours d'accord pour ça. J'espère que ça ne te fait pas peur de mourir. Hein. Non, t'inquiète. Non, mais pas pour être okay. Monsieur Bunko. Tais-toi pour l'instant. Ah, ok. Donc, je parle beaucoup, hein. Parlez... Non, c'est juste que tu vois, c'est... Ah, je sais qu'encore, je parle trop. Ok. Je vais me taire. Ok, les garçons, ça parle pas beaucoup, donc c'est mort. Zut ouais. Là, voilà. Bonjour. Hello, ça va? Bien, et toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Johan, et toi? Lynn. Tu es artiste? Non, je suis pas artiste. Tu es quoi? Bon. J'ai avoir un talent? Ouais. Bon. C'est juste que t'as mis le truc suprême, le cash, ça fait un peu trop artiste. Non, c'est juste un style. Ah, ok. Mmh. Merci. Okay, t'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Pardon. J'ai 20 ans. Du coup, t'es venu sur quoi ici? Bon, je suis venu conquérir ton cœur. Ok. Écoute, vas-y. Bon. Du coup, ce que je sais faire, c'est faire plaisir aux filles. Bon, toi-même, tu feras la suite. Tu sais, tu me donnes une chance. En quoi est-ce que la faire plaisir maintenant? Bon, elle verra si elle me donne une chance à la suite. C'est maintenant que tu vas prouver qu'on va avoir une chance. Bon, comment je peux la faire plaisir? Bon. Tu sais pas quoi faire. Bon, du coup, il faudrait que je la connaisse un peu bien. Comme ça, ça peut pas. Et pour contrôler le cœur de quelqu'un, t'es pas obligé de la connaître un peu. Ouais, je suis obligé de la connaître un peu parce que là, je connais pas trop ses critères et tout. De ton quotidien, comment tu fais pour par exemple pécho une fille, tu fais comment? Bon. Je. Tu réfléchis. Ouais. Alors c'est bon. C'est bon, désolé. Comme hier. Désolé. Ça sent que j'avais une chance. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Moi, c'est Brad. Tu veux mettre un peu de la voix? Ouais, moi, c'est Brad. Ok, Brad. C'est Lynn. Kurt. D'accord. Ce côté-là? Oui. Pour vous convaincre de me prendre, de m'accepter? Pourquoi je vais t'accepter? Ben, parce que je sais que... Bon, moi, je traite toujours une femme comme une reine pour qu'après, elle me traite comme un roi. Ok. Quand continue, pardon. Comment tu veux... Enfin, comment tu veux procéder pour pouvoir la traiter comme une reine, comme t'as dit? Être moi?
Vas-y, montre-nous. C'est quoi être quoi? Je sais pas. Déjà, je suis artiste, pas un grand artiste, mais je fais de la musique. Je peux chanter quelque chose pour toi si tu veux. Vas-y. Tu as pris ma tête, posée dans mon lit, je fais penser à toi. Tu es belle, tu es bonne, tu as toutes les formes pour me rendre dingue. Chérie, t'es ma woman, tu m'as récupéré depuis le bas. Merci. C'est là, passe là. Ok, merci beaucoup. Let's go. Coucou, ça va? Ça va et toi? Moi, c'est Darky et toi? Ah, ok. Je t'ai ramené un cadeau là, je sais pas, vite fait. Je sais pas si ça peut aller. Vas-y. Ok. Merci. Ça te va très bien. Merci. Donc moi, ce que je te garantis, si tu me choisis, c'est que, enfin, je t'apporterai du bonheur, tout ce que tu auras besoin personnellement. De la vie de tous les jours, tu flattes les filles avec des cadeaux comme ça? Bah non. Ah, okay. Je suis venu spécialement pour elle en fait. Ah, ok. Donc, je m'appelle Darky. Donc c'est tout ça. Donc moi, t'es très belle. Pour moi, t'es très belle. Et je veux bien que tu puisses me choisir pour te montrer plus que ça, en fait. Ok. Et tout ça, ça dépendra que de toi. Non, c'est moi, c'est lui. Je crois. Le micro. Parle un peu fort. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, et toi? Moi, je t'appelle. Oh, moi, c'est Loïc et toi. C'est pas moi? Moi, c'est Loïc et toi. Moi, c'est Lily. Enchanté. Je trouve ravissant, tu sais. Merci. Tu veux parler un peu fort? Si, je parle fort. Je fais de mon mieux, en fait. Comment? Je fais de mon mieux. Non, je sais pas, attends, je parle pas fort. Parce que même moi, j'ai du mal à saisir ce que tu dis. Ah bah, désolé. Je te trouve ravissant, toi, tu sais. Merci. Et je te dis, bah, putain. Les mots te manquent. Je vais improviser. Tu vas improviser, oui. Ici, on improvise pas, mon gars. Ah, d'accord. On reste naturel. On reste naturel. Ouais. Et ton cœur? Hein? Maintenant, il y a quoi? 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 Salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Moi, c'est Raconche. Moi, très joli. Merci. Toi, c'est Lille. Très joli prénom aussi. En fait, voilà, je suis Arconge, quelqu'un de sympa, drôle, mignon, peut-être, si peut-être je le trouve. Je suis là et je pense que je pourrais être celui qui. Narcissique. Non, je ne le dirais pas. Pourquoi narcissique? Comment je te trouve mignon déjà, sympa? Non. Tes qualités sur toi-même. J'ai bien dit si elle le trouve. Non, t'as dit je suis sympa. Et ce sont mes qualités, voilà pourquoi. Le but, c'est de. Là... C'est un peu ça. 19 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. En quoi? En médecine. Ah, c'est quoi ton prénom? Arconche. Docteur Arconche. Merci. C'est tout ce que tu veux dire? Pas tout. Ok, bon. Je me disais que ça aurait été... Les présentations, juste, c'est ça. D'accord. T'es là pour me convaincre d'avoir un date avec toi. Okay, pourquoi il doit te prendre toi et pas les autres? D'abord, avec moi, tu sais, je te ferai découvrir plein de choses, comme les beaux endroits de ce pays, cette ville, par exemple, là où on est. Tu sais, moi, j'aime beaucoup... En fait, avec moi, tu vas découvrir beaucoup de choses. Beaucoup d'endroits, voilà. On va bien s'amuser, quoi, tu vois.
C'est un peu ça. J'ai beaucoup de qualités, beaucoup de choses que je pourrais t'apprendre. Comme par exemple, voilà, je parle anglais, je suis anglophone. Et je fais des créations de contenu sur pas anglophone, mais je parle anglais. Je parle anglais et français. Donc du coup... You're listening to me? Yes, I'm listening. Good. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'aimerais bien voilà, être celui-là voilà, qui pourra être celui qui pourra t'apporter ce que tu voudras. C'est ça, quoi. Ok. On va prendre l'anglais. Juste à cause de l'anglais. Hein. Oh, okay. C'est là, mon gars. Non, je rigole, c'est même pas ouais. Je rigole. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Non, vas-y, t'as pas besoin de... Ah, d'accord. Du coup, c'est quoi ton prénom? Oui. T'as pas besoin de faire ça? Ouais, c'est mon son. Et toi? Moi c'est Jaden. Comment? Jaden. Jaden. Ouais. Du coup tu fais quoi dans la le vie? Jaden. Ah. J'ai pas entendu Jaden. Désolé. Du coup tu fais quoi dans la vie? Pas important pour l'instant. Pas important. C'est moi qui vous ai posé des questions. Vas-y. 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 Hein. Ah. Je suis pas dans la vie. Moi je suis étudiant. Étudiant quoi? La biochimie. Biochimie. Comment on appelle déjà? Non je bug. Ça y est. C'est le stress en fait. C'est le stress. Non, le stress. Y a pas stressé. Comment UCAC. UCAC. Ouais. UCAC. Oui, UCAC. UCAC. Une autre question. Oui, de quel âge s'agit-il? 20 ans. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu sais faire? Comme je sais jouer au basket. Cuisiner aussi, pourquoi je sais plus. Pourquoi tu veux te choisir toi et pas les autres? Pas les autres? Oui. Je sais très bien cuisiner, déjà. Ok. Et je joue au basket aussi. C'est basketteur. Ouais. Ok. Ok. Une autre. Les je peux montrer. Fais-le voir. Salut. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est quoi vos prénoms à vous, s'il vous plaît? Moi, je suis Kurt et Lynn. Oui. Joli prénom, Lynn. En plus, t'es très belle aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui, mais on ne sait pas encore. Ça, ça dirait une insulte parce que. Non, je sais pas. Non, en fait, je spécule, excuse-moi. Je vais reformuler. T'es très belle. Merci. Et donc, Lynn, moi, c'est Julian. Comment? Julian. Julian. Si tu le dis. Avec un accent un peu anglais. Ouais. Oui, c'est ça. Ça s'écrit comment? D-I-U. C'est un prénom. 2-L-Y-A-N. D-I-U-2-L. Julian. Ouais. Ça se crie bizarrement, mais ça se lit simplement. Et t'as quel âge? J'ai 21 ans. Ouais. Pas, hein. Ouais, je fais jeune. C'est aussi un bienfait. Tu sais ce que j'ai apprécié chez toi déjà? Quoi? Tu sais ce que j'ai apprécié chez toi déjà? Non, tu t'exprimes bien. Oui, très bien. Tu n'es pas du tout stressé, tu es à l'aise, tu te sens bien. Ouais, merci. Ouais. Merci. Et vous aussi, vous êtes sympa, vous avez l'air sympa. Non, c'est sympa. Bah ouais, au moins vous renvoyez une bonne humeur. Je suis un petit cupidon. Ça se sent. Je respire le bonheur, ça se sent. Je respire la gentillesse. Au moins, dans le fond, je vois que vous êtes sympa, vous renvoyez une bonne humeur. Mais ça, elle, qu'il faut complimenter. Hein. Faut non, mais je dis en groupe, en fait, vous êtes à deux. Ouais, elle aussi, je l'ai complimenté. Bon, tu disais les mêmes compliments, mais sur elle maintenant. Sur elle? Ouais. Ah, qui ça? Non. Non, je suis hétéro. Excuse-moi. Je suis hétéro. Ok. Pas pour te blesser. Non, t'inquiète pas. Ok. Et donc. T'étudies quoi? J'ai pas dit ce que j'étudiais. Ok, tu étudies quoi? J'étudie génie informatique. Oui. Et réseau. Deuxième année, cette année-ci, enfin l'année prochaine. Ok. Ouais. Pourquoi elle devait te prendre toi et pas les autres? Pourquoi elle devait te prendre toi et pas les autres? Bah, parce que je suis spécial, je suis pas les autres déjà. T'as quoi de spécial? Déjà, je suis pas comme les autres. Et ça, je vais pas le dire. Même si j'aurais beau donner des. Je pense que c'est maintenant que tu dois le dire pour la convaincre à te prendre toi. Pour la convaincre à me prendre moi? Oui. Bah, moi, je préfère ne pas parler, je préfère montrer en fait. Parce qu'en vrai. Parce qu'en vrai, de vrai. En vrai, de vrai, c'est au fur et à mesure. Un petit truc en fait de ce que t'as de spécial. De ce que j'ai de spécial. Bah. Si c'est un petit talent, si c'est. Non, mais si je c'est peux. C'est une disquette que tu peux non, sortir. Non, mais pas une disquette. Tu peux faire une poésie. Une poésie, non. Le talent, c'est le basket. Mais le basket, je peux pas jouer ici. T'as que le basket comme talent? Ouais, c'est ça le sport que je suis vraiment à fond dessus. Et j'aime bien ça. Je suis aussi très doué. Y'a que ça que tu sais faire?
pour l'instant. À part le basket, tu sais rien faire. Hein. Non, ne dis pas ça comme ça, je sais pas. Non, mais parce que quand on te parle de ton talent, tu nous sors le basket. Donc ça veut dire qu'à part le basket, si tu veux par exemple convaincre une fille, tu vas lui dire je suis basketteur, je fais le basket, ouais. Ça suffit ça. Ah non, en gros, non. Déjà, je suis une bonne personne. Ouais, ça, je suis une bonne personne déjà. Ça, c'est à elle d'en juger. Ouais, je parle à elle, oui. Déjà, je suis une bonne personne. Et je pense que toi-même, tu vas déjà le remarquer, que dans le fond, je suis une bonne personne. Et mis à part ça, je suis aussi très compréhensif avec les gens. Ok, ça c'est l'une des rares choses que les gens ils ont, la compréhension en fait, tu vois. Et ça au moins je. T'es compréhensible, tu es à l'écoute, oui. De la personne. Oui, je suis à l'écoute, je suis compréhensif. Okay. Et c'est ça. J'aime bien écouter. J'aime un peu parler de moi. Voilà pourquoi j'ai du mal à dire mes talents, parce que j'aime peu parler de moi, mais écouter les autres. C'est ça. En fait. Si t'étais mes goûts, je t'aurais mis oui, mais malheureusement. Nah. C'est à elle. Bon. Mais vas-y, Lynn, vas-y. On va le prendre. On va te garder. On va te prendre. Ok. On va te faire des cours de génie informatique. Vas-y. Salut. Hello. Comment vas-tu? Oui, ça va, merci, toi. On t'appelle comment? Non, moi, je pose des questions. Ah, d'accord. Moi, je t'appelle. Alan et toi? C'est quoi ça, s'il te plaît? Les perles. Les JK. Ok. Alan, à quel âge? 18 ans. Je fais une formation qui prépare au métier. Comment ? Je fais une formation qui prépare au métier. Quelle formation ? De la chaudronnerie. Chaudronnerie. C'est ce que c'est ? Ouais, ça me rappelle avec la soudure. Je crois que c'est ça. Les deux, en fait. Parce que la soudure, c'est autre chose. Toi, tu fais quoi, la chaudronnerie ? Oui. C'est un travail de métaux. Donc, c'est-à-dire ceux qui fabriquent et qui donnent chez les soudeurs. Ah, les forgerons. Pas les forgerons. Pas les forgerons ? Non. Bon, ils n'appellent pas les forgerons ? Non, 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 non. Ils appellent comment ? Les chaudronniers. Les chaudronniers. Dites-moi ça ! Dites-moi, c'est à peu près les forgerons, parce que moi, je sais que les forgerons, ils font ça aussi. Non. Excusez-moi, les intelligents. Ok. C'est quoi la question que tu poses là ? Pourquoi on doit te choisir toi ? Parce que j'ai tout ce qu'une meuf recherche. Tu viens de te présenter d'abord en culotte. En culotte coupée. Ça n'a rien à voir. Et tu veux qu'une meuf te prenne au sérieux déjà? Mais attends, c'est pas un truc. Non mais ça c'est pas un style responsable déjà. Ah bon? Oui, non du tout. Ça c'est selon toi. Hein. Si moi je dis ça c'est que elle est chère. Mais c'est un style. Tu penses pas la même chose? Ah, tu penses pas la même chose? En plus. Donc déjà, côté vestimentaire, c'est off. Du coup, tout ce qui te reste à faire, c'est vraiment, mais vraiment, lui prouver que tu mérites de rester. Désolé, je m'excuse. Si le style ne t'a pas plu, donc, je sais pas ce que tu en penses. Je te laisse le dernier mot. Drague-la ! Tu dragues comment dans ton quotidien ? Non, non. Tu es jolie. Comment ? Tu es jolie. Ok, merci. Très, très jolie. Merci. J'aime bien ton sourire. Ça me fait même peur de moi, en fait. Tu es sûre ? Oui, je suis très sûre. Oui. Parce que tu es stressée. Oui, je suis stressée, ça c'est vrai. Okay. C'est ta beauté, en fait. Frère, on ne drague pas une fille comme ça. On dirait qu'il dit Chantal à l'éco-gym. Je sais pas moi, soit ça, mais c'est de la vivacité. Mais c'est du masculin. Bon. Je vais dire ceci. J'aimerais bien apprendre à te connaître. Pour. L'autre là. Je m'arrête par là. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais j'ai besoin d'un petit temps. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà que ma m'énerve déjà. C'est bon, on te met en vie. Allez. Let's go! Ça va? Ça va et toi? Moi c'est Sergio. 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 Oui. Comme Sergio Ramos. Bon. Tu es congolais? Oui. Comment tu fais Sergio? Bah. Pourquoi je t'ai pas les cheveux? Si? C'était pas peigné. C'est les locks, c'est le style. Pas se peigner les cheveux comme ça, c'est le style. Mais si tu veux des locks, frère, faut te mettre des vrais locks, je sais pas moi. D'accord. Ok.
Ça va abréger. Pourquoi il doit te choisir toi et pas les autres? Bah. T'es belle, tu sais. Merci. Si je suis là, c'est pour chercher mon... Bon, tu peux trouver mon âme sœur. Ton âme sœur. Ouais. Mais le garçon, on a choisi qu'il reste tranquille aussi. Bon, ici... Quoi, vas-y, c'est stressé. Détends-toi. Tu stresses? Ouais, non, grave. Il n'y a pas à stresser. Respire. Respire. Pourquoi on doit te choisir, toi? Bah, je suis là pour trouver mon âme sœur. D'abord, si tu veux trouver ton âme sœur, il faut que tu parles fort. Ah bon? Ton âme sœur, elle est comme ça. Bien déjà. Je suis comme ça, en fait. Hein? Je suis comme ça. Je parle pas fort. Tu es intimidé? Ouais. Les filles, t'intimides? Bon, non. Tu dragues pas, tu dragues que sur Facebook? Bon, ça dépend. Mais ça se voit que tu dragues pas de la vraie vie? Si. Mais on drague pas timidement comme ça, frère. Devant tout le monde? Bon. Bah oui. Montre-nous tes techniques de drague maintenant là. Du genre? Dans la vraie vie, tu dragues. Comment tu fais pour draguer? Bah ça commence par le téléphone. Ça commence par quoi? Le téléphone. Par le téléphone? Tu as jamais vu une fille, t'as fait excuse-moi, je te trouve bête, tu as sorti tes disquettes. Jamais de la vie. Bon, si. Bah fais ça maintenant là. Il rigole. C'est possible de repêcher quelqu'un. Avance. Quelqu'un là-bas. Tu veux repêcher quelqu'un? Oui. Je vais trouver ça à ta place. Il n'y a pas de place. Je peux pas. Papa, non. Je peux? Ouais, vas-y. Tu veux repêcher qui? Elle veut faire quoi? Oui. Elle veut faire quoi? Je veux repêcher quelqu'un? Qui? Il est où, mais? Qui ça? Tony. Tony, viens, mon gars, viens. C'est du coup, tu pars au backstage. Je préfère largement quelqu'un qui parle beaucoup. Mais Tony, fais pas derrière. C'est parce qu'il parlait beaucoup. Tony. Oh, Tony. Vas-y, Tony, passe vite. Tony, mon gars. Vas-y. Refais-nous le truc là, mon frère. Non, c'est bon déjà. Non, il nous refait le truc là, non. Pardon, montre-nous encore, Tony. Ouais, au fait, j'ai appris un truc quand je suis allé là-bas. Ok. C'est quand tu veux vraiment quelqu'un. Mm-hmm. T'es prêt à faire quelques petits trucs pour elle. Okay. Comme d'abord, je vais arrêter de beaucoup parler. Okay. Juste pour toi. Ok. Ah, t'es une disquette, hein? Vas-y, mon gars. Ok. On passe à l'épreuve culture générale. Bon, la miss, elle veut tester si les gars sont intelligents ou sont pas intelligents. Après culture générale, il y aura quoi? L'épreuve musicale. On va voir ça tout à l'heure. S'il y a des dadju, il y a des taiki, Let's go! Brad. Brad. Brad Pitt. Okay. Espérons que tu sois Brad Pitt. Non, c'est Brad Wentz. Brad Wentz. Ouais. Tu es américain? Non. Okay. Bref. Du coup, tu sais chanter. Est-ce que tu es intelligent? Je sais pas, on va voir. Première question. Qui a découvert l'Amérique? Avec Brad Owen, c'est lui. Dans le cours. Allez. Combien de secondes? 10 secondes. Bon, 10 secondes. Est-ce que j'ai pas trop vu là? On ne Brad Pitt plus. Je sais pas, Christophe Colin. Ouais. Oui. C'est bon. Ok. Ok. Je peux calculer comme ça. D'accord. Deuxième question. Quelle est. La Russie. Non seulement t'as une belle voix, mais t'es intelligent. C'est bon, tu vas aller. Merci. Ok, tu peux passer là. Brad. Brad Pitt Clever. Nickel. Rebonjour. Ça va? Salut. Julien. Du coup, je vous écoute. Ok, t'es prêt? Oui. T'es intelligent? Ça va. Ah, ça va. Comment ça va? Ton QU est combien? Ton QI. QI. Je comprends pas bien. Ton QI, ton quotient intellectuel. 12. 12. Le taux normal de QI, c'est 0,05, je pense, non? Eh, moi, je sais pas. Je crois que c'est 0,05. Tu es un génie. Tu es un génie. Mm-hmm. Même le génie, il est pas à 12. Je pense qu'il est à 1. Bon. C'est pas grave. Excuse. Allez, let's go pour les questions. Donc, première question pour toi. Quelle est la religion la plus pratiquée en Afrique? Le christianisme.
C'est l'islam, malheureusement. C'est la peine, là. La question suivante. Question suivante. Quel est le sens le plus... Non. Non, combien de jours compte une année bisextile? 365 jours. Exactement. Non, c'est faux. Hein? C'est 366. Une année bisextile. Non. Ça, c'est une année complète. Ça, c'est une année. Les quelques années pour 365. Levez les mains. Non, je te promets que c'est 366. Une année bisextile. C'est pas 65. C'est ce soir. 66. 66, du coup. Donc, c'est moi, j'ai tort. Disqualifiez-moi. Là, mais bon, du coup, c'est bon. Bon, la question, t'as pas le choix. Je pense les candidats ont droit à deux questions seulement. T'as pas de réponse. Désolé, mais... Je suis éliminé. D'accord, pas grave. On se reverra. À la prochaine. Excellent. On a un bon clin d'œil. Attends, moi, je vais lui faire un clin d'œil. Ça va le basketteur? Oui, ça va, toi. Le basketteur, c'était qui, Tony Parker? Jaden. Jaden Smith. Jaden Smith. Ah. Ok, Jaden. C'est ton prénom? Oui. Ok. C'est bon, t'es prêt? Oui, je suis prêt. T'es intelligent? On peut dire, oui. Du coup, la question pour toi, c'est... Quel est le sens le plus développé du chien? Du chien. L'odorat. La seconde question. Quel est le plus grand organe du corps humain? Plus grand organe. T'as 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va. Allez, Brad. Sorry. C'est quoi? J'ai quoi? Jaden. Jaden. T'as pas pu répondre aux deux questions. Je suis navré, mais. You lost. Really? You lose. On dit you lose. I need it. On vient de saccager l'anglais. On élimine. Mais bah, alors, tu ne peux pas répondre à deux questions. Bon, exception. Une troisième question. D'accord. Juste parce que t'es beau du visage. D'accord. Ok. Quel est le pays le plus riche de l'Afrique? Pays le plus riche de l'Afrique? Si tu trouves, tu restes. Hein. Si tu trouves, tu restes. Tic-tac. Désolé, mais il n'y a pas moyen, c'est bon. Tu es éliminé. Ouais. T'as le pompe, hein. Désolé. Vas-y. Sois pas découragé, c'est là. Viva hein. C'est bon. Okay. On a ramené les gens, ça va. Donc c'est là-bas. Eh oui, ah, putain. Jaden, mon amour. Bon, t'as un peu répondu à trois questions, non? Deux. L'organe le plus grand du corps humain, c'est la peau. Ah, rappelle-nous ton prénom. Julian. Les gars. Julian. Les gars, on peut vous prêter ce monde dans la chambre. Très cher Julian. Ouais. Are you clever? Ouais, ok. Are you ready? Ouais. Let's go. Let's go. Donc, du coup, la question pour toi, c'est... De quelle couleur est le soleil? De quelle couleur est le soleil? Rouge. T'as dit quoi? Ouais, mais vas-y. Oh, ouais. Je vais pleurer, quoi? T'as dit quoi? Non, j'ai pas dit jaune. Oh, mais arrête ça. On est dans la main, le tourneau, en fait. Oh. Ouais, mais cousin. T'as dit quoi? J'ai dit rouge. Le soleil, totalement faux. C'est faux? C'est blanc. Le soleil, il est blanc. Ok. Ok, next. Comment appelle-t-on une mère qui a perdu son enfant? Comment on appelle une mère qui a perdu son enfant? Ça, je le connais. Plaît, non, en vrai, je le connaissais. Non, restes, non, mais en vrai, je le connaissais, wesh. Vas-y, je le connaissais, je l'avais déjà vu. Mais tu connais... Mais dis-nous ce que tu connaissais, là. Non, mais vas-y, c'est loin, attends. T'as 10 secondes devant ta maman. Ouais, je fais pas ça. Attends. Tic-tac, 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 tic-tac,
Ah putain de merde. Je l'ai plus. Malheureusement, on voulait bien te garder. Mais... Non, mais vous voulez bien nous garder, mais vous faites tout pour nous éjecter, c'est ça aussi. Non, bah ouais, c'est ça aussi la différence, vas-y. Mais Julian, c'est la réponse. Non, c'est bon, donne la réponse, c'est bon. Il m'a mangé. Je le savais. Mais pourquoi tu savais? Non, je le savais. Allez, je savais. Ok, mais juste parce qu'on veut que tu restes, on va te fermer. C'est bien encore. Comment appelle-t-on la femme de son fils? Comment on appelle la femme? La femme de son fils. La belle-fille. Oui, mais il y a autre chose. Quoi? En français, carrément. Compassion en français, la femme de son fils, la belle-fille. Mais ça, on a l'habitude de le dire tout le temps dans nos quotidiens, la belle-fille, ma belle-fille, mon beau-fils. Français soutenu. Allez, Julian. Non, mais vas-y, vous facilitez pas la tâche. Julian. Attends. Excuse-moi, juste une question de curiosité. T'as quel niveau d'études? Là, je suis à l'université. À l'université, je connais pas ces questions-là. Ce sont des questions basiques que je connaissais, mais que je peux oublier parce que... Il faut toujours en avoir, ce sont des bases. Mais vas-y, laisse-moi juste un peu de temps, vas-y, attends. Non, en plus, j'ai bien répondu, non? Non. J'ai dit la belle-fille. Non, c'est pas belle-fille, sauf que c'est pas belle-fille. Si, c'est belle-fille. Ok, vas-y, je vais jouer le jeu. C'est bon, 10 secondes écoulées. Là, bah, tu vas t'aider. Next! Demain, vas-y, plus. Suivant! Vas-y, hein. Mon frère, te fâche pas. Très cher Tony, te revoilà. C'est un plaisir de te revoir. C'est un plaisir de te revoir. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. C'est bon, t'es prêt? Montre-nous ce que t'as dans le ventre. C'est pas de ça que je parlais. J'espère vraiment que tu es intelligent. Hein. Alors, c'est là, tu vas te trouver. Hein. Ok, la question pour toi, dans quel pays se trouvent les Champs-Élysées? La France? Ah, oh, mais pourquoi t'as hésité? Il allait dire Paris. Je sais qu'il allait dire Paris. La question suivante. Oui, on va le prendre fastoche. Oh. Vladimir Poutine est le président de quel pays? La Russie. Ok. Bravo. De quelle couleur est le soleil? De quelle couleur est le soleil? Jaune. Rouge. Non. Oh, c'est mort. Bon, vu qu'il a comme une quantité de questions, je pense qu'on va le garder. Ouais, tout ça, c'est vraiment personne. Vas-y, t'es pris. Vous vous dites que je suis méchant, hein? Oh. Je suis vraiment. Non, mais c'est le jeu, ça oblige. Ça exige. Vas-y. Comment tu t'appelles déjà? Alan. Alan. Ça va, Alan? Ça va bien. Pas trop stressé. Ouais, ça va. T'as 19 ans, t'avais dit, non? Ouais, 19 ans. À 19 ans, moi j'étais intelligent. Donc j'espère que c'est le cas avec toi aussi. Je ne suis pas bête. Comment? Je ne suis pas bête. Combien de dents a une personne adulte? 32. Quel est le plus lent fleuve du continent africain? Le plus lent fleuve? L'Amazonie. Oh! C'est le fleuve Kogo. C'est un dinguerie. Abdoulaye pour répondre. C'est le fleuve Kogo. C'est le fleuve Kogo. C'est pas le fleuve Kogo. Quelqu'un a une réponse là-bas? Si vous trouvez, je vous dis. C'est moi. Ah mon gars, la sortie c'est là-bas. On te garde pas. Force à toi. Hello. Salut. Are you okay? I'm okay. Okay.
Of course. Ok, ok. The question. Alors, let's go pour les questions. L'escargot peut dormir pendant 3 ans. Vrai ou faux? Un escargot dormir pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vrai ou faux? Sans manger. Non, c'est faux. Un escargot peut dormir jusqu'à 3 ans. Je savais pas. La question suivante. Qui a créé Facebook? Le créateur de Facebook. Oh, les gars, derrière, c'est Jubile. C'est bon, s'il trouve pas. Le créateur. Le créateur de Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Ok, c'est ok. Bon, par contre, la question là, si tu la trouves, on te garde. Si tu la trouves pas, pas de soucis. Combien d'heures y a-t-il dans une semaine? Combien d'heures y a-t-il dans une semaine? Sachant qu'on a 7 jours dans la semaine. Il y a 15 jours, 24 heures. Chrono? 10 jours, 24 heures. Dans une semaine. Comment? Il faut s'éduire. Time épuisé. Sorry. On est désolé, la réponse était 168 heures. Voilà. Courage, hein. Suivant. Voilà, c'est là, c'est bon. L'archidire. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Pas trop stressé? Si, beaucoup. T'es au taquet ta forme, hein? Non, pas trop. Tu as la fatigue? Ouais, je suis stressé à mort. Tu sais, tu vas avoir autre chose. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, pas trop. Ça va, allez, t'es bon. Du coup. Vas-y. C'est lui! C'est lui qui a fait la ref! La star! La ref! La star! Personne n'a la ref ici? T'avais la ref? Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, on y va. Okay, allons-y. Quelle est la capitale du Japon? Tokyo. Exactement. Comment appelle-t-on les habitants de Madagascar? Les Malgaches. Ok. Quel est le plus grand dealer de drogue de tous les temps? Tupac Shakur. J'ai de l'eau à la bouche. Ok. J'ai de l'eau à la bouche. J'ai de l'eau à la bouche. Vas-y, rattrape une question. Bon, d'accord, exception. On te rajoute une autre question parce que t'as répondu à deux questions. Ok. L'escargot peut dormir pendant 3 ans. Vrai ou faux? Vrai. Bravo, Kéfi. Non mais tu veux t'asseoir, tu peux t'installer. Ok. Jay Dunn. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire, Abdoulaye? Non mais c'est juste pour le style. Non, ça va, ça va. Vas-y. Ça va? Non, je tremble pas. Tu sais chanter? En tout cas, je sais pas chanter. Tu sais pas t'aimer? Non, je sais pas chanter. Efforce-toi quand même. Efforce-toi. Fais comme tu veux. En tout cas, je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. Tu sais vraiment pas. Donc, tu veux même pas essayer? Même pas. Tu veux pas essayer? Même pas. C'est quand même. Vu que elle est à combien de temps? Elle essaie chanter. Yes. Mais tu peux m'apprendre? Non, écoute, elle t'a quand même racheté. Oui. Et ça veut dire que si elle t'a racheté, c'est parce qu'elle s'attendait à ce que toi tu fasses beaucoup chose, d'efforts pour elle. Non, mais chantant. Si toi tu veux faire zéro effort, alors c'est mort. Non, mais chantant en tout cas, c'est mort. Je peux pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Désolé. Donc, tu peux faire. Je t'ai éliminé quelque chose. Elle a pas voulu faire d'efforts. Ouais. Genre, même pas ici. C'est quand c'est même bon, blessant. C'est bon. Oh, on a le stade de point. Okay. Je ne donne pas tout, c'est vrai. Ok. On respecte ton choix. Oui. Let's go. C'est moi qui donne la chanson, non? Eh non, c'est toi qui donne la chanson. C'est quoi ton titre? D'accord. Je chante une chanson de Damso. Ok, mets-y de la voix. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Tu sais, je suis.
Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Et peut-être sans moi, le monde sera toi. Et peut-être avec lui, le monde sera vous. Et ah. Vraiment, j'ai le trac, je pourrais pas bien chanter. Non, pas, non. N'est pas le trac. Sois toi. En plus, là, il n'y a que nous qui te regardons, ils sont derrière. Donc, tu n'as même pas à gérer leur regard aussi. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Et peut-être sans moi, le monde sera toi. Et peut-être avec lui, le monde sera vous. Et peut-être c'est mieux ainsi. Maison, tu m'en danses la macarena. Donc je me dis, si t'es avec lui, tu sentiras mieux. Mais si tu sens mieux, tu ne souviendras plus de moi. Oh là là. Tu ok, regardes. Merci, tu peux félicitations pour l'aider. C'est bon, on ne l'a même pas, on l'a même pas pris. Hein? Et c'est pas encore décidé. Hein? C'est à la fin. Carré. Cala. Chenille. Vas-y. Je chante n'importe quelle chanson aussi. Vas-y, ce que tu veux, Tony. Ok, je vais chanter Ima. Okay. J'aime pas déjà la chanson, c'est bon. Tu n'aimes pas la chanson? Ok, je vais changer alors. Ouais, je change. Je vais chanter Je reviendrai de Shinsekai, tu connais? Je déteste dire adieu. On se reverra un jour ou peut-être pas. Mais sois-en sûr, sache que je partirai pas tête basse. Je finirai pas terre pas. Hein? Je perdrai pas mes valeurs, appelle ici la matière, pas. Je partirai sans me retourner, je me retournerai sans partir. J'ai du mal à me convier, du mal à voir clair en mon avenir. Du mal à m'exprimer paradoxalement, du mal à me contenir. Du mal à faire preuve de compassion quand je vois des gens souffrir. J'ai du mal à reculer devant les obstacles, lui en comblé. Sois loin l'innocence que j'ai pu connaître lors de mes premiers jours. À la base, je n'étais qu'un magie, un petit m'a relâché, j'aimerais lui dire. Ok, voilà. Vas-y mon gars, viens. Un son à moi aussi, genre un truc comme ça. Peut-être que c'est déjà quelle chanson je veux. Moi je veux Ah, en plus, dédicace. Ça tu fais là sur TikTok, là, faut s'y faire. Tu peux la faire. Non, mais elle n'a même plus de poids parce qu'elle aime bien. Je connais pas toutes les paroles en fait. Ah, ok. T'as dit quoi? Je connais pas toutes les paroles. Mais ce que tu connais. Après, t'es obligé de chanter ça. Ok, donc je peux prendre un truc à moi ou pas? Un truc à toi, une chanson qu'on connaît aussi. Je vais chanter le son de Franglish ensemble. Je sais pas si vous maîtrisez un truc comme ça. Ouais, d'accord. Donc j'y vais. Ok. Quand je te vois, je suis fier de moi, t'avoir près de moi. Comprends-moi, pour nous je me bats, on te retient pas. Pardonne-moi, mais tu sais des fois, en nous je perds la foi. Puis je me dis, aucune fête en poids, personne passe à toi. T'es resté la même. Recommence. Ok, c'est le track en fait. Ouais. Quand je te vois, je suis fier de moi, t'avoir près de moi. Comprends-moi, pour nous je me bats, on te retient pas. Pardonne-moi, mais tu sais des fois, en nous je perds la foi. Puis je me dis, aucune fête en poids, personne passe à toi. T'es resté la même, je te rappelle, par force te regarde, mais tu me fais penser à ma mère, mais en note, pour toi je suis là, mon cœur c'est toi qui l'as. Faut me croire, je parle de notre histoire, tu ne règnes d'un roi. De l'amour pour toi j'en ai trop, pour ça je perds mes mots. Désolé, je suis pas Roméo, je te parle sans ego, t'es à moi. Une autre j'en veux pas, moi je ne veux que toi, t'es à moi. Une autre j'en veux pas. Moi je ne veux que toi, t'es mon jour, t'es ma nuit. Baby, t'es ma vie, t'es mon jour, t'es ma nuit. Baby, t'es ma vie. C'est bon, on va se concerter entre nous. Quelques minutes pour la concertation. Du coup, là, on va remettre le nom du gagnant chez Abdoulaye. Dites-vous qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Malheureusement, on aura bien voulu qu'il soit à deux ou trois encore. Mais la Miss, elle a fait sans choix. Donc, sans plus tarder. Abdoulaye va annoncer le nom du gagnant. Donc, roulement de tambour. The winner is the Bra. Donc, son cœur, t'as tous les critères qu'elle peut. Oh.
cette jambe déjà. Merci beaucoup. Ça c'est important. Donc il veut dire Brad va faire son date avec la Miss Lynn et il va apprendre ensemble, à se connaître. Ils vont intégrer la vie là. Donc il y a une suite pour tout ça là. On fait ça et les gars, c'est pas encore fini hein. Il y a le date. Everybody les gars, alors aujourd'hui on est là pour le date. On est dans le concours Lounge Bar. Merci beaucoup le concours d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est ensemble. Je vais appeler Mighty Kurt Ngoma. Ici Kurt Ngoma, vous connaissez. Et je vais appeler Ayameda. Voilà, tape la Mighty. Je vais bien et toi? Merci beaucoup d'être venu. Et donc les gars, let's go pour les réactions. Bien. Alors, t'as bien dormi? Bien et toi? Bien aussi. Oh, elle est trop belle. Oh. So cute. Mais pourquoi elle a mis une robe de fantasme? Elle aurait dû mettre une robe. C'est un date. Non, c'est un date aussi basique. Faut pas trop en faire au premier date. Bah, tu me dis une fois que je suis belle, c'est quoi? Si, t'es belle. Tu sais déjà que t'es belle. Merci. Alors, raconte. Non, c'est quoi le plan? Te connaître. Ok, je t'écoute. Hier, tu as eu le temps de me poser des questions, aujourd'hui c'est à moi. Ok, je t'écoute, vas-y. Toi, parle-moi de moi. Parle-moi de toi. Bah, je m'appelle Lynn, tu connais. J'ai 20 ans. Je suis quoi? Seulement. Oui. Je fais plus. Hein? Genre combien? 23, 24. Non, mais attends, 20 ans, 23. C'est pas long. Je suis un bébé en vrai. Donc, j'ai 20 ans. Je suis en troisième année, enfin je finis ma troisième année cette année de licence en management des ressources humaines. Et pointe noire. Oui. Je suis à Henri Lopez, tu connais? Oui, je suis à Henri Lopez. Tu connais pas? Je connais, mais je sais pas trop là où ça se trouve. L'université, enfin l'université, ça se trouve à l'aéroport. D'accord. Autre chose? Bah non. C'est tout. Bah oui, c'est tout. À part ça, tu fais rien d'autre? Bah si, je travaille. Où? Au Cocoon. En tant que... Je fais service. Donc si un jour je viens, tu vas t'occuper de moi? Bien sûr, si tu laisses le pouvoir. Obligé? Bah oui, c'est obligé, surtout si c'est moi qui te sers. Mm-hmm. Bah oui. Donc t'aimes l'argent? Ah, je vais pas dire ça, mais quand même, genre quand tu vas dans un resto et que tu manges, tu... C'est pas obligé, hein? Bah si. D'accord. T'es obligé. Après, faut pas laisser 500, faut pas laisser 1000 francs. Combien? Bah, genre 2000 plus quoi. Donc, ça veut dire que toi, si un jour je suis dans la misère, tu vas abandonner? Non, jamais, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'aimais l'argent, mais quand même, genre, pour le service. 500, c'est pas assez. Non, je vais faire quoi avec 500? Combien il faut à partir de combien tu as dit? 2000. Wesh. Attends, déjà, le taxe, c'est pas 500. D'accord. Peut-être quoi pour le crédit? Peut-être. Oui. Non. Et toi, tu m'avais dit que tu faisais quoi? Je suis en terminale. J'ai raté l'examen. Comment t'as fait? Et j'ai 19 ans. Ah, t'es un bébé, je vois. Moi, je te dis, j'ai 20 ans. Bonjour. Bonjour. Vous voulez prendre quelque chose? Oui. Comme quoi? Bah, moi, je veux un cocktail. Pareil, ouais. Donc, t'habites où, dans quel quartier? Tu cherches ma barre, tu veux vraiment savoir? Ce que t'aimes le plus chez un homme et tout? Bah, je sais pas, je crois que c'est plus dans le feeling. Genre, plus dans le feeling, comment je le sens. Et entre nous, il y en a? Bah, je sais pas, c'est ça le problème pour l'instant, je sais pas. Tu sais pas? Non. Finalement, toi, tu dois savoir à partir de combien de dates? Bah, je sais. Ben, je sais pas, du moment où on passe beaucoup plus de temps ensemble, je crois. Donc t'envisages de passer plus de temps ensemble avec moi? Ben non. Voilà. Pour madame? Non, moi je prends pas ça. Ça c'est le même. Et pour monsieur? Merci. Besoin d'autre chose? Non. C'est tout pour moi. Merci. Merci.
T'es une fille sérieuse. Ah, je savais pas que c'était une question qui se posait, ça. Tu peux savoir si t'es sérieuse ou pas? Bah, j'espère, oui. Je me trouve sérieuse, en tout cas. T'as jamais trompé? Eh? Non, jamais. Jamais? Jamais. D'accord, on verra ça. Et toi? Déjà. T'as trompé qui? Comment? Pourquoi? Je peux pas te dire. Je peux pas te donner de réponse, hein. Je sais pas, ça vient comme ça arrive. C'est pas bon ça. Ça arrive, ça veut pas dire que forcément si je l'ai fait... Bah si, trompeur un jour, trompeur toujours. Moi au moins je te dis la vérité. Hein. Est-ce que toi tu me dis la vérité? Bah pourquoi pas. Je te dis la vérité. D'accord, d'accord. J'ai la tête de d'une menteuse. On sait jamais. On sait jamais en tout cas. L'apparence. Ah. Sérieux? Tu attends quoi de moi? Non, c'est moi qui te demander la question. Moi? Moi, je veux faire de toi ma femme. Ah. Te faire des enfants. Te faire voyager. Okay. T'aimes Dubaï? Non, j'aime pas. T'aimes quelle ville? Je sais pas. Pas Dubaï en tout cas. Vas-y, dis-moi. Je suis beaucoup plus... Tu vois, genre Marrakech, des trucs comme ça. On ira ensemble si Madagascar. Tu veux. On ira ensemble? Pourquoi pas? Tu peux m'emmener là-bas? Oui, pourquoi? Tu es sûr? Oui, je peux. Tu prends pas ton pied, pourquoi? Je prends. Vas-y. Je suis plus concentré sur toi. Ok. Je vois que je stresse. C'est vrai? Ouais. Donc, du coup, tu veux continuer à se concentrer ou bien? Ça te dit? C'est à moi de te poser la question. Bah non, je pose la question. Peut-être que... Oui, c'est ce que je veux. Sinon, je devais pas être là. J'avais pas kiffé un à part moi. En vrai, visuellement, mon coup de cœur, c'était Jaden. À mais cause bon. De quoi sa taille? Non, pas du tout. C'est quoi? Il me rappelle quelqu'un. Ton ex? Je te dirai pas. Pourquoi? Je te dirai après. C'est tout. Après, il n'a pas pu chanter pour moi, donc dommage. Moi, je l'ai fait. Hein. Bah oui. Ça t'a donné plus de points encore. Même si j'ai pas vraiment bien chanté. T'as chanté quelle chanson déjà même? Macarena de Damso. Ah oui, c'est vrai, du Damso. T'as vu? Mais toi aussi, tu peux chanter pour moi aujourd'hui? Non, c'est mort. Pourquoi? Qui va chanter? Moi, j'ai fourni des efforts pour toi. Toi, tu veux pas après. Faire... Après. Après? J'ai trop honte. Donc, tu es mon non, je... futur. Peut-être. Peut-être, oui ou non? Peut-être. Oui ou non? Mais je ne pourrais pas te dire maintenant, genre, au coup du premier date, genre, je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas te dire si c'est possible ou c'est pas possible. On verra ce que ça donne quand t'es tu vas faire. Bien sûr que t'es célibataire. Avouez, ils sont tous les meilleurs, ça, on va pas essayer. Je veux bien voir ce que ça va donner après. J'espère que c'est ce que tu veux toi aussi. Bien sûr. Du coup, on essaye. Tu me prends, tu m'acceptes. J'essaye de t'accepter. Tu essaies? Oui. Accepte-moi. Bah, je peux pas maintenant. Je veux voir, parce que tu es un peu trop calme pour moi. Je te réserve des surprises. Bah, ok, on va voir des surprises. D'accord. Du coup, tu as une chance seulement. Une seule. Tu es en train? Ah, la seule chance que tu as. Une info, hein? On dit en vrai à la fly. Moi, j'aime bien. Les c'est voyages, si... l'avenir, tu vois pas? C'est comme je t'ai dit, c'est dans le feeling, tu vois. Du coup, tu m'acceptes ou pas? Ça me tente bien. Donc on va pour la villa? Oui, nous partons ensemble. Ah, je savais. Du coup, le gars, on l'envers. Je sens que tu vas pas faire de bêtises, je te suis en vrai. Non. Non, bah, vraiment, moi j'ai trouvé un peu hésitant en mode on dirait. Mais c'est carrément normal parce que le bug il a même pas. Il s'est même pas investi. Mais